Alors, voilà, je prends un bol, j'ai un bol en main. Et qu'est-ce que je mets dans mon bol? Moi, je suis quelqu'un qui fait de l'utilitaire. J'aime beaucoup, beaucoup la céramique utilitaire. C'est quelque chose pour moi qui m'accompagne depuis des années, qui m'accompagne au petit déjeuner, au dîner, enfin tout le temps dans ma vie. Et donc, ce que je vais mettre dans mon bol, dans celui-ci, c'est du thé. Alors, pourquoi j'ai pris celui-ci? Et parce que j'ai travaillé très longtemps à l'étranger, dans un pays asiatique, hein, le Japon. Et ça, c'est un petit bol pour boire, un petit bol à matcha. Et dans mon bol à matcha, je mets du matcha. Et je mets non seulement du matcha, mais j'y mets beaucoup de souvenirs. Parce que, comme j'ai vécu longtemps en Asie, il y a tous les souvenirs d'été que j'ai bu. Et, par exemple, je me souviens du premier bol à matcha et du premier matcha que j'ai bu. Et c'était à un marché à Kyoto. Il y avait une dame en kimono, il y a bien 30 ans. Il y avait une dame en kimono qui servait, qui proposait du thé matcha aux passants. Et je n'avais jamais bu ça. Et je trouvais que le bol était merveilleux. Je trouvais que c'était très, très agréable de le tenir en main. Et la couleur du thé matcha était merveilleuse. Le goût, à l'époque, c'était pas extraordinaire. Ça me faisait penser à des épinards. Maintenant, je suis plus habituée et j'aime beaucoup. Mais à l'époque, je trouvais que le fait de tenir le bol, de regarder, puis de boire, et puis de regarder le pied, c'était un véritable plaisir. Et voilà, donc dans mon bol, je mets du matcha et je mets tous mes souvenirs de ces nombreux thés bus au Japon. J'y mets de la nourriture parce que c'est ce que j'aime. C'est vraiment la céramique utilitaire qui est ma passion et qui est ce qui m'anime.